fond. Et il fait déjà jour. Il fait déjà jour. Ah, c'est parfait. Alors, avant de partir... Alors, bienvenue à tous. Nous sommes de retour. Survie. Alors, avant de partir, aujourd'hui, on rentre à la maison. Aujourd'hui, on rentre. On voulait faire un truc avant de partir. Ça, je m'en rappelle. C'était réparer le manteau en loup. Donc, on va réparer ça. On va le faire directement. Comme ça, c'est fait. Parce que de toute façon, ça prend énormément de temps. Donc, comme ça, c'est fait. Voilà, très bien. Après, je crois qu'on avait... Ouais, on avait ça aussi qu'on voulait réparer. Mais le problème, c'est que la peau est pas sèche. Je crois bien. Ouais. La peau est pas sèche. 91%, c'est quoi? C'est 5 jours? Ouais, 5 jours. 91%. Non, c'est vrai trop. Attends. Non. Ce qu'on va faire... Bon, on va prendre ça. On va prendre aussi des boyaux. Alors les boyaux, normalement, s'ils sont secs... Ok, s'ils sont secs, on risque rien. On peut les prendre. On va peut-être pas tout prendre. On va... Ouais, tiens, on a qu'à déposer... Voilà, deux. Ah, très bien. Là, ça, on laisse, ça, on laisse. Il y avait des morceaux de bois à récupérer. Il y a quoi, là? Il y a rien. Ça, ça, ça. Oups, pardon. Ça, ok, très bien. Alors, désolé, je vais essayer de... me concentrer, en fait, sur ce qu'on est en train de faire, ce qu'on doit faire. Donc, je vais pas trop... faire la conversation. D'abord, je veux me préparer pour partir et après on sort, on prend part. Alors, on va... Ok, on a l'air d'avoir un bon temps, un bon temps. Donc, on va faire du feu. Les livres, on va les prendre parce que j'ai envie de continuer à... Ils étaient où les tissus? Ok, ça, on va tout prendre. C'est très bien. Le pied de biche, on le laisse. Ça, on va le laisser. Ça, on va le laisser. Les outils de qualité, on en a déjà à la maison. La scie, on va la laisser aussi. On a la scie de meilleure qualité. 95%. On a des torches. On a le bedroll. On a un faitout. Ok, ça. On a ça. On prend de la nourriture. Très bien. On va prendre du bois. Ok, on va faire un feu. Voilà, on va faire un feu, parce qu'on est dehors. 95%, c'est bon. Alors on va faire un feu. On va bien sûr faire chauffer des tisanes, comme d'habitude. On va faire chauffer des tisanes. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Faut qu'on regarde si on a du charbon, parce que je voudrais dessiner si jamais on a un très beau temps, avant de... sur le chemin, en fait. On va faire ça. Voilà, très bien. On a un feu assez fort. En nourriture, on va manger ça. De l'eau, on n'en a plus trop. Normalement, il y en a juste derrière moi. Très bien. Voilà, ça c'est fait. On veut en poser deux. Très bien. Qu'est-ce qu'on a à prendre d'autre? On va prendre du bois. Alors, ce qu'on va essayer de faire... On est à 47 kg, ouais, c'est beaucoup quand même. Alors, ce qu'on va essayer de faire... Ah, me dis pas qu'on va avoir un mauvais temps maintenant. Me dis pas ça. Ah, on va voir. Ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire, c'est que à Muskegmorn, parce qu'on doit repasser par Muskegmorn, si jamais on rencontre l'ours, on va l'attaquer. On va se le faire. Et comme ça, on peut le dépecer et tout ça et récupérer sa nourriture. Récupérer sa peau, pardon. Récupérer sa peau. C'est ce qui nous importe. Parce que nous, on veut faire le sac de couchage, là. En peau d'ours. Et il nous en faut deux. Donc ça serait bien. 6 boyaux aussi. Mais voilà. Donc, ça serait vraiment bien. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est trouver un élan. Donc, si on trouve l'un ou l'autre, on attaque. Et on récupère la peau et on rentre. Voilà. Si on trouve les deux, ça serait vraiment bien. Mais... Voilà, notre arc est prêt. Ok, 10 flèches, très bien. On a des plumes sur nous. On a des plumes. Là, c'est vide. Charbon, on va en prendre 5. Ça, on laisse. Les allumettes, on laisse aussi. Les souches, on laisse. On va prendre du bois. Voilà, on est un peu lourd, mais c'est pas grave. On a combien en bois? Là, on a 4.
Donc 4. Et on récupérera du petit bois sur le chemin. On a des torches. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on va partir maintenant. Fais voir un peu la nourriture. Ok. Notre état est très bon aussi. Je pense qu'on va partir maintenant. Ouais. Ouais. On va y aller. Donc ça. Bon, ça c'est un peu une torche de merde quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas les poser. C'est quoi ces torches de merde là-haut? Bon, ça c'est bien. Allez, on y va. C'est parti. Et voilà, nous sommes sur le chemin de retour. Donc on a la peau. Ouais. On a la peau, on a les tissus. On a récupéré. On a de la viande. J'entends un loup. On a de la viande. C'est derrière. On a un peu d'eau. Et le plus, c'est que je me suis un peu préparé avant de commencer. Hein, dans ma tête, en me disant quoi prendre, etc. Donc c'est pour ça que ça allait vite. Donc on enchaîne directement. Donc on va rentrer. Et comme j'ai dit, donc on va avoir une période un peu de chasse et de recherche. Donc il nous faut un élan et un ours. Il nous faut les deux pendant notre période de chasse là. Quand on sera rentré à la maison. Et après ça, on ira à Milton. Alors par contre, encore une fois, ça va durer très longtemps. Le fait d'attendre, je crois, c'est quoi, 10 jours pour la peau de l'élan. Et l'ours est pareil. En plus, dans la peau qu'on a là, elle est même pas encore finie. Donc on va devoir attendre pas mal de temps. Donc on va faire encore une ellipse, pareil. Et on reprendra quand tout sera crafté. Mais je voudrais avoir la... Attendez, je vais être un peu plus silencieux. Ok, on est bon. Donc oui, parce que je voudrais avoir la cape de l'élan. Et je voudrais aussi avoir le sac de couchage en peau d'ours. Et après, on sera... Honnêtement, on sera très bon. Surtout que maintenant on a la chasse, l'arc niveau 5, on a la cuisine niveau 5, on a tout plein de trucs, on peut manger tout plein de loups et tout. C'est vraiment top. Très bien. Donc c'est vrai que ça nous aide énormément. Si vous avez vu... Alors, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer ou pas, par rapport à notre petite vadrouille. Alors, je pense qu'on a fait les choses dans le bon ordre. Et c'est ça qui a primé, en fait. C'est ça qui s'est bien passé. C'est-à-dire que, de 1, on est arrivé, on a fait de l'eau et tout ça, on a fait en sorte d'avoir de l'eau. On avait fait cuire un peu les lapins quand on est arrivé. Mais après, on a vu qu'on avait un problème de nourriture. Il fallait récupérer vraiment de la nourriture. Et c'est là qu'on s'est, on est allé chasser le cerf. Et ça s'est bien passé. Et après, bien sûr, on était proche du niveau 5 dans la cuisine. Donc on s'est concentré aussi à faire beaucoup de nourriture. Faire cuire beaucoup de choses. Mais on a bien divisé les choses, je pense. On a très bien divisé les choses. Les champignons, là, je vais les prendre. C'est-à-dire qu'on a fait les choses comme il fallait petit à petit. Genre on avait besoin de nourriture, on est allé chasser, on avait besoin de faire cuire, on est allé faire cuire. On avait besoin de faire quelque chose d'autre, on a fait quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Non.
Bon, on va pas passer mon temps à récupérer des trucs. Parce que notre but c'est de rentrer. Donc rentrons. Il y a un peu de vent, je crois. Donc ouais, je pense qu'on a fait, on a bien fait les choses, on a très bien fait les choses. Tout s'est très bien passé. Alors, est-ce que... Non. C'était pour voir si on pouvait en boire un deuxième, mais non. Non, 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 ils se refroidissent en fait. Le temps que ça reste dans l'organisme, c'est le temps que ça reste chaud en fait. Et je crois que je l'avais déjà expliqué, je crois bien que si jamais vous attendez, par exemple, imaginons que ça dure 5 minutes, la chaleur, le réchauffement. Si je crois que vous attendez par exemple 2 minutes, ben vous aurez que 3 minutes si vous buvez le thé chaud. Je crois qu'il y a même ça, donc c'est assez précis par rapport au temps que ça reste. C'est assez précis tout ça. Mais ça va, on a un bon temps. Ça va, il fait pas très froid. On est bien, on est bien. Glissement de terre, on va monter. Voilà, très bien. Un glissement de terrain, on risque pas grand chose vu qu'on est en hauteur. Et les animaux peuvent pas venir de ce côté-là. Après, ils peuvent pas monter. Donc on devrait pas avoir de problème. Je vois rien qui bouge. Ah, l'eau. Ah, faudrait qu'il ait peur. Attendez, on va faire un test. Ok, ok. On est bon, on est bon. On va un peu... Ah, on peut pas, sprinter. Ouh, on peut pas sprinter, on a trop... On s'est trop chargé. On doit What? Je le vois pas. Il est là? Ouais, il doit être là. On peut pas sprinter, ça c'est pas bon. Il a un Oh, c'est le loup invisible, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Je crois que... Le problème, c'est que j'ai envie d'allumer ma torche encore. Donc, je sais pas si on va pouvoir le faire avec lui derrière. Il y a un cerf. Il va peut-être aller sur le cerf. Mais bon, on va faire peur au cerf, du coup, il va aller là-bas. Ah, quoique... Ah, il allait trop loin. Non, on devrait être bon, mais faut fixer notre problème là, le sprint. Ça me j'aime pas qu'on peut pas sprinter. J'aime pas du tout ça. On est toujours après nous. Maintenant, non, toujours pas. Je pense qu'il va passer la torche, même si elle est allumée. Ouais.
Quoique. Non, si, si, si. Il a passé la torche. Non, ça va. On est en sécurité, il va pas nous foncer dessus, hein, mais. Faut enlever notre problème. On va balancer notre eau, je crois. On va peut-être balancer un peu l'eau qu'on a sur nous. Ou alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a pris? On a trop pris de bois, peut-être? Peut-être trop de bois. On va voir. Mais faut qu'on règle ça. Comme ça, on sera un peu plus en sécurité. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc maintenant, la phase difficile. Ouais, ah, ça va, on n'a pas beaucoup. Mais bon, voilà. On peut sprinter même si c'est pas beaucoup. Donc, par contre, il y a du vent. Juste devant notre gueule, mais il fait pas froid. Donc si jamais on trouve un ours, il fait beau en plus. Si jamais on trouve un ours, on le là-bas. Ou un élan. Un élan aussi. Les deux, hein, les deux sont bons à prendre. Les deux sont très bons à prendre. Alors la dernière fois, je me rappelle plus trop quand on était venu. Je crois qu'on avait vu dans ces wagons-là, non? Ou alors c'était au centre. Non, c'était peut-être au centre. On va se protéger du vent, parce qu'apparemment ça vient de là. Voilà, très bien. Oh, regardez, on a chaud en plus quand on est protégé du vent. Donc vraiment, on a un très très beau temps. On a un très très beau temps. Donc, ça serait vraiment cool de tomber dessus. Mais bon, après, il faudrait tomber dessus et qu'il soit dans un endroit bien. Et qu'on le tue vite aussi. Il faut pas que... Ah bah voilà, on l'a trouvé. On l'a trouvé le bougre. On l'a trouvé. Est-ce qu'on peut passer par là? On peut passer. On l'a trouvé le bougre. Il y a du bois en plus. Là. Il y a du métal aussi. Est-ce que ça, ça peut... Je peux pas passer? Attends, c'est par où je voulais passer tout à l'heure. Je veux monter sur l'arbre en fait. Ok, ramène-toi. J'arrive pas à avancer avec ce vent. Ah, je suis bloqué. Ah mon dieu! Très belle vue. On l'a tué! T'es sérieux? On va lui faire un critique? C'est énorme. C'est énorme. C'est juste énorme. On va prendre ça aussi. C'est juste énorme. J'ai l'impression que... Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai l'impression que les flèches qui cassent ont peut-être plus de chances de faire un critique. Je sais pas si c'est vrai. Ah ok. Ok, c'est bon. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai remarqué que... les choses mouraient souvent quand les flèches cassaient. Alors, je sais pas si c'est vraiment juste peut-être un nerf. Mais un nerf de... ça a l'air d'être ça, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà. Ah, très bien. On peut mettre... c'est très très bien ce qui se passe. On va mettre ça.
Très bien. Fourrure, 28 minutes. Parfait. Là on a combien? On a 49 kilos. On a la fourrure sur nous, on a 49 kilos. C'est beaucoup. Du coup lui on va le laisser, le reste hein, bon c'est pas grave. Hein, mais... ouais, qu'est-ce que je vous dise moi? Ça fait un peu chier, hein. Je dis pas le contraire, hein. C'est un peu embêtant de partir juste comme ça. Mais bon. Ça fait 30 kilos de nourriture, ça fait 10 boyaux, je suis d'accord. Hein. Mais voilà. C'était notre but, c'était de prendre sa peau. Ça fait tellement de gâchis. Ça fait tellement de gâchis. Voilà. Après, j'aurais pris plus si on avait le poids. Mais là, on est déjà dans les... On frôle les 50 tout le temps. Donc là, ça sert strictement à rien. Okay, on a des doigts gauches. On frôle les 50 tout le temps. Donc on va pas le faire. Ah, ce qu'on aurait dû faire, c'est dessiner. Merde. Mince. Ah, c'est pas grave. J'ai pris du charbon au final pour rien du tout. Ah, on a même pas froid. Mais ouais, j'aurais dû prendre... J'aurais dû en profiter pour dessiner. J'suis en train de me dire que la torche, elle sert pas à grand chose par rapport à la chaleur. Mais ça nous donne une protection contre les animaux quand même. Et puis si jamais on veut faire un feu, enfin quoique on a le soleil, on peut le faire à la loupe. Bon bah voilà. On va avoir notre lit en peau d'ours. Très bien. Très très bien. Tiens, il y a une torche là. Je suis assez étonné hein, qu'il soit mort en une flèche aussi. Pourtant, je crois qu'on n'a même pas touché la tête. J'ai l'impression qu'on a touché l'abdomen, le côté. Mais c'est tout. Bon, tant mieux, on va pas se plaindre. On va vraiment pas se plaindre. C'est bon, on arrive déjà au wagon, là. Je dirais que ça fait tellement longtemps qu'on est parti de chez nous. Je suis quasiment sûr que des ours et des élans sont revenus. Donc on va pouvoir faire la chasse chez nous, je dirais. Je pense. Puis après ça va être assez simple de faire, de manger et tout ça. Comme j'ai dit, on va manger que du loup et tout. Mais ouais, ça se passe super bien. Ça se passe super bien pour le moment. Après, même si on avait été attaqué... Si on se fait attaquer, on meurt pas parce qu'on a beaucoup de défense. Donc on va... Oh, on commence à avoir du brouillard, je crois. Je crois qu'on va laisser la torche s'éteindre. Je pense. Je pense qu'on va laisser cette torche éteindre. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si jamais on se fait attaquer, on va pas mourir. On va pas mourir, même si c'est un ours ou même si c'est un élan. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de défense. Ah, par contre, la chose qu'on peut avoir, c'est la déchirure de vêtements. Alors,
C'est vrai, on a beaucoup de vêtements en peau qui peuvent être refaits. Mais il y a certains vêtements en fait qui sont plus fragiles que d'autres. Et je suspecte que par exemple ce qu'on porte là, le plus important... pour moi en tout cas. Le plus important c'est le cache-oreille. Et ça je crois que ça doit casser directement. Parce que c'est super fragile. Et c'est à l'extérieur, c'est une couche extérieure. Je pense bien. Enfin, je crois que c'est considéré comme une couche extérieure. Donc c'est la première qui va prendre en dégâts. Et je crois bien que ça va casser directement. Si jamais on se fait attaquer. Et ça serait un problème parce que c'est méga rare. C'est méga méga rare les objets comme ça. Après, tout ce qui est vêtements, comme j'ai dit, ça va pas vraiment se déchirer. Alors, on l'avait dessiné, hein. Le surplomb. Non, on l'avait pas dessiné ici. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Ah, très bien. Après on a de la nourriture sur nous, donc honnêtement si vraiment on se fait courser par des loups et tout, on va leur balancer la nourriture. Comme j'ai dit maintenant, tout ce qui est viande c'est pas vraiment un problème. C'est vraiment pas un problème. Donc autant tout balancer pour être... pour maximiser nos chances de survie. Là-bas, il y a une carcasse. Sûrement un cerf, je dirais. Ouais, ça a l'air d'être un cerf. Ils ont l'air d'être assez loin des chemins du chemin de fer, les loups. Donc je pense qu'on est tranquille pour le moment. À moins qu'il y en ait un qui nous attende là à droite ou à gauche. Là, mais je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est ok. Ah, et donc après, comme j'ai dit, donc on rentre tranquille. On fait sécher nos peaux et tout. Et il faudrait directement repartir. Non, déjà quand on aura laissé nos peaux sécher à la base. C'est un autre camp. Il faudrait qu'on reparte directement trouver un élan. C'est vraiment le plus important. C'est ce que je veux faire rapidement. Parce que plus on attend pour l'élan, pour trouver un élan, plus il va falloir encore attendre pour... C'est quoi ça? Ah non, c'est le tronc d'arbre. Il va falloir encore attendre pour la peau, en fait, qu'elle sèche. Ah, il y avait bien un loup, mais il a eu peur. Donc ça va être un problème. Le temps, en fait, de passer à attendre. Ça, c'est vraiment, vraiment très chiant. Tente pas vraiment d'embuscade, donc ça va. Par contre, il fait super beau, hein. J'ai même pas envie d'aller dormir, moi. Regardez-moi ça. J'ai vraiment pas envie d'aller dormir. J'ai l'impression que c'est gâché... un bon moment, en fait. Un bon temps pour explorer.
Voilà, maintenant on prie pour que le chemin jusqu'au camp soit nickel. J'entends rien. Ce qui est bon signe. On a l'air d'être bon. On a l'air d'être ok. Bon, ben voilà. Donc on va rentrer tranquillement. Tranquillement. On a récupéré les livres aussi. Alors les livres, c'était pas utile de les vraiment de les prendre. C'est pas vraiment utile pour nous maintenant, en fait, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pour le défi de lire là, plusieurs heures de lecture. En gros, c'est ça. Quoi. Parce qu'on n'a pas de livres très intéressants pour nous. On a trouvé des livres de cuisine, des livres de chasse à l'arc. Trouver quoi aussi? Dépeçage, je crois. Et tout ça, on est au max déjà, donc ça sert un peu à rien. Mais voilà. Ah, et après, si jamais on trouve... Qu'est-ce qu'il nous faudrait après pour faire les balles, par exemple? Il nous faudrait des douilles. Ah, attends, il faut la poudre aussi. La poudre à canon. La poudre, on peut la fabriquer, je crois. On a le plomb pour faire la balle. Je crois qu'on a tout sauf la douille. Si on a trouvé... On a cassé la batterie. Donc on a du plomb. On l'a laissé là-bas, hein, bien, je sais. Hein, on l'a laissé, mais... c'est pour dire, on a plomb. On a les produits chimiques aussi. Et... Il y a plein de petits bois aussi, il faudra aller les récupérer. Et ouais, il nous manque juste des douilles. Si jamais on trouve des douilles, on peut faire des balles. Alors après, je dis pas qu'on va trouver un revolver, hein, évidemment, mais mais on fera les douilles. On fera les balles, on fera des balles. Juste pour le fun. C'est une question de le faire. Mais comme on a dit, il faudra retourner dans l'endroit, l'enfer. L'enfer avec les loups gris. Par un autre côté pour aller récupérer le code. Le code d'entrée. Pour aller à l'entrepôt pour faire les balles. Là, il y a plein de bois. Personne. D'en avoir sur le lac. Là aussi il y a du bois. Ok, très bien. Alors ouais, très bien. 58%, 65, 58. Parfait. Ah oui, on a tout ça aussi. 72. C'est très bon. On n'a même pas besoin d'aller chasser. Il n'y a pas une viande qu'on avait commencé. Apparemment, non. Oh, on n'a même pas besoin d'aller chasser, quoi. Je pensais pas qu'on avait autant de viande. Je pensais que... Ouais, enfin, je pensais qu'elle allait être à zéro ou un truc comme ça et puis basta. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Voilà, ça là. Ça là, très bien. On va manger. J'espère qu'on a de l'eau. Parce que ce serait un peu chiant de devoir faire de l'eau. Ça va, on a de l'eau. On a un peu quelques thés. Il y a du métal.
Voilà, on a ça, ça. Voilà, très bien. Là, on va pas pouvoir mettre le tissu. Est-ce qu'on va pouvoir mettre le tissu? Ah, on aurait pu laisser un stimulant, un stimulant là-bas. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Voilà, ça on repasse à deux de chaque. On va ranger vite fait. Ah, très bien, ça prend quelques secondes. On range hein, et après. Après on dort. Voilà, très bien. Pour les vêtements, très bien. Pour ça. Très bien, très bien. On a déposé un café. Faudra qu'on fasse le reste. Il n'était pas à 8% le café? Il n'était pas à 8%? J'ai l'impression que le café, on va devoir le faire. Parce que j'ai peur qu'il pourrisse dans l'inventaire. J'ai un peu peur qu'il pourrisse ce compte café. Donc, ouais. Ah oui, on a le tissu aussi. Je sais pas quoi en faire, le tissu. Il fait jour? Mince, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il fait assez jour pour faire... Comment ça s'appelle? Non, je crois pas, non. La loupe, non. On va faire cuire le café parce que j'ai l'impression qu'on va le perdre, honnêtement. Je suis quasiment sûr qu'il était à 8%. Et pas à 6. Donc café. Ouais, je suis quasiment sûr de ça. Et ça c'est embêtant par contre. Ça c'est embêtant, ça force à faire le café. Mais bon, on a tout ce qu'on peut, on a tout ce qu'on veut pour faire le café, donc c'est pas grave. On va le faire. Alors, café. Café. 7 minutes. On avait des trucs à faire aussi. Bien. Il va faire nuit. Faut qu'on trouve un endroit pour le tissu. Et on est bon. Là. Ah oui, non, c'est des vêtements qu'on avait mis là. Il y a quoi, 50 kilos de tissu? Non, il y a pas 50 kilos. Non, il y a 5 kilos de tissu, je crois. Oui, 5,8. 5,80, je veux dire. Ah, très bien. Cuir séché aussi. Les plumes, c'est en bas. Il y a les boyaux aussi à faire. C'est très bon. Voilà. Les boyaux, on va les mettre là. Très bien. Les plumes, on va aussi les ranger. On fait que du rangement. Hein. On fait que du rangement. Donc, très bien. Tissu, tissu séché. Ah, et le cuir, il y en a là.
Si on mettait tout au même endroit. Là, ça sera pour faire les flèches, les hameçons et les conneries comme ça. Est-ce qu'on a des fûts? Voilà. Et en haut, ça sera tissu et cuir. Ça sera plus simple comme ça, parce que c'est 15 kilos qu'on peut, on peut foutre 15 kilos là-dedans. Après, on a aussi... Ah, ce sera vêtements et tissu. Après, on a les autres tiroirs aussi. On va en prendre... comme ça. Comme ça, on est à 10 kilos. Voilà, c'est très bien, très très bien. La loi, on la laisse, c'est pas grave. C'est pas important. On va sortir, on va reposer. On va faire ça. Je sais pas si on les garde, les boîtes de quoi. Je vois plus rien, ça y est. C'est complètement noir. Boîte de conserve, on les garde sur nous ou alors on garde un fait tout? Ah non, j'avais dit que je préférais quand même garder un fait tout. Donc on garde le fait tout. Oh, dehors, il fait encore jour, hein. Je veux pas dire, mais... Il fait encore un peu jour comparé à ce que... à l'intérieur. C'est con, parce que je voudrais déposer le... Je dois déposer ça, le café. Oui, on a gagné 50%. Mais après, maintenant, ça se... De... Je crois que c'est comme le thé, ça se pourrit jamais. Tout ce qui est liquide, ça pourrit pas. On va les mettre par terre pour le moment, c'est pas grave, je vois rien, mais c'est pas grave. On va en garder une sur nous. On va prendre 2 litres d'eau. On est toujours à 31 kg, il va falloir... Pas l'étagère, pas l'étagère surtout. La loca est en train de cuire là-haut. En bouillir, il y a ça à faire. On est en train de se réinstaller, hein, c'est tout, hein, honnêtement. Et normalement, on n'a plus grand-chose à faire. Je sais que c'est dans le noir, mais on connaît les choses. Il y a l'arc qu'il faut déposer, il faut les changer. Flèche 1, flèche 1. Il y a l'arc. Il faut qu'on reprenne notre ancien arc. Parce que je crois qu'on avait échangé. On avait pris un à 100%. Et j'avais. 100%. Et j'avais posé celui-là. Enfin, j'avais posé celui-là qu'on utilisait. Parce qu'il était genre à 40. Putain, je vois rien du tout. Ah, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. On le fera la prochaine fois, on voit strictement rien, ça fait plaisir. Il y a les livres à poser, les vêtements, on est bon, ça on est bon. Il y a encore un peu de bois à déposer. Faudra déposer des allumettes, faudra déposer un des fire steel là. On est à 32 kilos. On est quand même à 32 kilos. Mais j'avoue qu'on a beaucoup de matos. Enfin, c'est nos vêtements qui pèsent lourd. Nos vêtements pèsent assez lourd. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue un peu parce qu'on n'a pas vraiment un grand... Enfin un gros épisode. Mais bon, elle est fatiguée. Puis après on va pas faire grand-chose. Oh, regardez, c'est joli ça. C'est très joli ça. On voit avec la lumière comme ça. J'en profite, hein, il fait pas froid, on prend le bois. Faut tout le temps profiter des... C'est très joli comme ça.
tout le temps profiter des occasions. Honnêtement, je serais même... Ouais, je serais même tenté de faire ça. Mais bon, elle est quand même fatiguée. Je voudrais quand même dormir la nuit. Et puis après, on se lève de... bien près. Oui, je sais. Vous êtes tous revenus pendant que j'étais parti. Ça va, on a compris. On a compris. Vous croyez chez vous maintenant? On va vite régler ça, vous inquiétez pas. Coup d'arc et de flèche, vous inquiétez pas que ça va vite... Vous allez vite déguerpir. Mais après, on n'a pas besoin de... Honnêtement, on n'a pas besoin de chasser. On a énormément de bouffe de côté. On a tout. On a vraiment tout. Ah, est-ce que je me rappelle qu'on était... Avant qu'on parte, on était un peu dans la merde. Façon de parler. Parce qu'on pouvait pas manger la viande de loup et tout ça. Et il nous restait de la viande de cerf, je crois, un peu. Et il nous restait un peu de l'autre, là. Mais c'est vrai qu'on était un peu... l'élan. On était un peu embêté par rapport à ça. Parce qu'on avait encore beaucoup de loups. Mais on pouvait pas vraiment le manger. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu risqué. Mais là, ça va. Voilà. On est bon, on en a 3 de ça, c'est bien. Ceux qui sont préparés, ils vont où? Préparés. Ah voilà, ils sont allés. Je cherchais la première rangée. Ok, on en a 13 et on en a 3. Ça va, on a des tisanes de côté. Ça pèse lourd? Non, ça pèse pas lourd, ouais, ça pèse rien du tout. Bon, bah on va dormir, on est bon? Ouais, on va dormir. On va boire. Et on va dormir. Et je pense qu'on va mettre fin à l'épisode. Même si ça fait pas une heure, je sais. Mais ça fait quand même presque 50 minutes. Donc on va mettre fin à l'épisode. Donc le prochain épisode, ça va sûrement être de la chasse. On est au jour 88. Ça va, honnêtement, je pense que ça va être de la chasse. Où on va chercher si un élan est réapparu. Donc je me rappelle plus trop où on avait... Elle a battu un élan ici. Je crois que c'est là, non? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus trop. Ouais, là, par là. Donc on va refaire un tour ici, je crois. Le prochain épisode. Sinon... Muskegmorn ici, peut-être. Je sais pas vraiment. On verra. Mais sinon, voilà. On faut chasser l'élan. C'est ce qui nous manque. Parce qu'on a les ours maintenant. C'est très bien. Il faut l'élan. Et après, on repartira donc à Milton. On passera par contre par Muskegmorn. Parce que normalement, il y a une grotte qui est au lac Mystère. Elle est pas très loin. Et c'est très facile, en fait, d'aller à Milton directement. Depuis la grotte. C'est vraiment le chemin le plus simple. Mais moi, je veux passer par Muskegmorn parce qu'il y a un passage dans les collines, dans les montagnes. Et je veux aller à Milton. Et après, une fois qu'on sera à Milton... pardon. On sera à Milton, on fera Milton. Donc, on va passer plusieurs jours à fouiller toutes les maisons et tout. Ça va prendre beaucoup de temps. Et puis après, on testera la vallée de la rivière calme, peut-être. On verra ça. Il paraît que cette zone est assez difficile. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et voilà. Donc ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. On va dormir 11h. Et à la prochaine. Ciao, ciao.